Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue ici à Blonay pour ce concert de l'ensemble Il Capriccio. Nous avons préparé un programme de musique de salon, qui est un véritable voyage à travers l'Europe et l'Amérique du Sud. Donc, bienvenue à bord. Nous avons commencé, vous vous en doutez, en Espagne, avec ce Paso Doble de Pascual Marquina. Le Paso Doble qui signifie littéralement un pas double est donc une danse à deux temps qui se danse à deux et dont la chorégraphie rappelle, du moins pour le monsieur, les mouvements du torero, c'est-à-dire qu'il est très cambré, il a les bras pleins de tension. Alors vous imaginez bien que si ça imite la corrida et que le monsieur est le torero... Et vous imaginez bien qu'il reste une place pour madame, qui est la cape. Et vous entendrez tout de suite un deuxième exemple de Paso Doble avec Granada Mia de Gerald Crossman. Puis nous vous jouerons une danse espagnole de Enrique Granados. Thank you.
dernière pièce de Granados a été arrangée pour le violon par l'un des plus grands violonistes du XXe siècle, pour moi aussi le plus attachant. Il s'agit de Fritz Kreisler. Compositeur, il a arrangé de nombreuses pièces pour le violon. On connaît aujourd'hui surtout ses enregistrements de ses propres pièces, mais il ne faut pas rater ces enregistrements des grands, grands concertos du répertoire, comme Beethoven et Tchaïkovski, c'est absolument extraordinaire. Il a fait ses études très jeune, à 10 ans il est entré au conservatoire de Vienne, et son professeur de théorie musicale, c'était Anton Bruckner. Moi j'ai fait mes études à la Chaux-de-Fonds, et mes profs de théorie, c'était Erardo Vietti et Jorge Pepi. On va vous jouer deux pièces de Kreisler, la marche miniature viennoise et un vieux refrain, ce qui nous emmènera dans la Vienne des années 1900. Et tant qu'on y est, on y restera pour la Trittstrasch Polka de Johann Strauss, bien sûr. Thank you.
beaucoup. Nous étions donc en Autriche avec Johann Strauss, et qui dit l'Autriche au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe, dit bien sûr Autriche-Hongrie. Il y a de nombreux compositeurs qui s'inspirent à cette époque de ce qu'on appelle la musique tzigane hongroise. Vous avez reconnu Brahms à l'instant, bien sûr. Notre prochaine pièce, c'est un pot-pourri de mélodies populaires et tziganes qui s'appelle Neva Romanzen. Alors, il y a des titres assez amusants dans cette pièce. Vous entendrez tout d'abord une danse des cavaliers, ensuite une Mitleid Romanze, une romance de la pitié, de la compassion. Ensuite, vous entendrez un Rasposhol et un Bublitschki. J'ai aucune idée ce que c'est qu'un Rasposhol ni un Bublitschki, mais je vous laisse imaginer. Thank you.
Vous aurez sans doute reconnu le salut d'amour de Edward Elgar, qui nous a ramené un petit peu plus proche de chez nous. La pièce suivante s'appelle Jalousie, de Jakob Gade, qui est un compositeur danois. Alors si vous ne le connaissez pas, ne vous faites pas de soucis. C'est la seule pièce qu'on lui connaisse. Mais cette pièce a eu tellement de succès qu'il a pu vivre toute sa vie de ses droits d'auteur pour cette seule pièce. Ça s'appelle Jalousie et n'allez pas venir me dire que c'est un vilain défaut. C'est la dernière pièce avant la petite pause que nous ferons pour aller souffler un petit coup et boire un petit peu d'eau. Thank you.
est-ce qu'il y a un Argentin dans la salle? Oui? Bon, alors il faut que je fasse un peu attention. Parce qu'on va vous jouer maintenant deux tangos. D'abord Tango Pizzicato de Jack Hellier. Puis Passion, qui porte le sous-titre Tango Tipico Argentino de Aldo Maietti. Alors avant de dire trop de bêtises sur le tango, on va vous les jouer, je crois que c'est mieux. Thank you.
C'est un foxtrot, pour ceux qui l'auraient reconnu, qui nous a ramenés en Europe, vous l'aurez remarqué. Et la pièce suivante est tirée d'un opéra de Jules Massenet qui s'appelle Thaïs. Alors c'est une histoire un petit peu compliquée, je vous l'avoue, comme souvent à l'opéra. C'est un moine qui retrouve son amour de jeunesse, qui s'appelle Thaïs, et qui, entre-temps, est devenue courtisane. Alors, évidemment, ça le chagrine un petit peu. Alors, il fait tout pour la sortir de cette vie de débauche, et en se disant qu'il pourrait l'épouser, donc il renonce à sa vocation, mais quand il vient lui annoncer, il l'a tellement bien sortie de sa vie de débauche qu'entre-temps, c'est elle qui est devenue nonne. C'est raté. C'est un opéra très triste, hein, je ne vois pas pourquoi vous rigolez. On va vous jouer la célèbre méditation de Thaïs, qui est un intermezzo du deuxième acte. Et c'est le moment où Thaïs a justement cette grande révélation mystique.
Voilà, nous sommes revenus sur Terre avec cette chanson napolitaine d'un compositeur italien qui s'appelle Gerhard Winkler. Nous enchaînons toujours en Italie avec une pièce de Giuseppe Becce, qui lui est un compositeur allemand. J'y peux rien. La pièce s'appelle Souvenir de Capri. Et sortez vos mouchoirs. Thank you.
voyage touche presque à sa fin. Tout l'équipage du Capriccio vous souhaite un bon séjour à Blonay. La température extérieure est de chez moi à peu près 60 degrés. Pour terminer ce concert, vous a préparé un des monuments de la musique de danse. C'est la célébrissime Valse de l'Empereur de Richard Strauss. Alors, si ça vous démange, il y a un petit peu de place. Il y a une pelouse là-bas. C'est pas compliqué, c'est à trois temps, comme d'habitude. La valse de l'empereur. J'ai dit Richard Strauss. C'est Johann Strauss. Celui qui a l'autre moustache. Thank you.
petit vice qui s'appelle « Souvent, une coupe de champagne suffit ».